Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va un peu vlogger, on va se motiver pour les derniers jours d'école. C'est la dernière semaine d'école, on se motive, on continue à faire les choses comme on faisait avant. Et pendant les vacances, on va un peu souffler. Même si pendant les vacances, on ne se repose pas vraiment, on va un peu souffler. Donc là, je vous prends un peu tard la nuit. Avec quelle heure il est? 22h15. Je vous prends à 22h15. Je suis avec bébé et mon mari. Les enfants dorment déjà. Et je m'apprête à changer le bébé. Mais avant, je vais changer la position du sapin tel que certains me l'ont suggéré. Certains ont constaté que c'était un peu. Le sapin était un peu trop grand. Voilà. Donc, on va enlever ça d'ici. On va le pousser au coin là-bas. On change. Au moins, on aurait enjoy ici quelques jours. Donc, on peut changer maintenant. C'est vrai, le sapin, il est vraiment grand. Il est très grand, notre sapin. Et le pixie, là, comment on appelle même ça? Ça ne se voit pas bien. J'aurais dû prendre la couleur or. Ça m'a complètement échappé que le blanc sur le blanc n'allait pas se voir. J'aurais dû prendre la couleur or. Mais bon, c'est pas grave. Le budget est arrivé au max. On ne peut plus acheter quoi que ce soit. Donc, on a fait avec ça et peut-être l'année prochaine, on va juste le bomber en couleur or. Et en le poussant de ce côté-ci, peut-être avec le mur gris là, ça sera mieux visible. Donc, faisons ça ensemble et on voit ce que ça donne. Je vais commencer par débrancher les lumières ici. Parce que la lumière qui alimente le sapin est branchée même ici. Maintenant, je vais l'enlever et brancher de l'autre côté. Bon, maintenant que le sapin est ici, je vais porter le petit sapin là. Je vais porter le petit sapin là et le mettre ici. On verra ce que ça va donner. Bon, voilà un peu le rendu. Je trouve que ce n'est pas très beau. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée de comment je peux mieux le positionner. J'attends vos propositions. Est-ce que ce sapin ne serait pas mieux au coin là? Le coin là. Avec la prise, est-ce que le petit sapin ne serait pas mieux? Là, on bouge un peu le meuble TV, quitte à remettre après Noël. Bon, j'attends vos commentaires et je vais changer après vos réactions. Alors, les amis, je change bébé et je m'en vais dormir. La vie de maman, vous allez vous poser des questions. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pourquoi on se motive ensemble dans cette vie de maman qui n'est pas très facile. Donc, je change bébé
Je m'en vais dormir parce que je dois me lever tôt pour le goûter de l'école des enfants et pour faire le repas de bébé. On se retrouve donc le matin pour la suite de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à liker maintenant. Likez maintenant. Pour moi, je vais dormir pour qu'on se retrouve le matin. Mais pour vous, c'est dans une seconde. À tout à l'heure. Hello, je vous reprends ce matin. On se motive pour les derniers jours d'école. Là, il est 5h17. Mon réveil a sonné à 5h. J'ai un peu traîné à arriver à la cuisine. Donc là, je vais faire le goûter des enfants. Je vais faire le repas du bébé dont je vous ai parlé. Courgettes, betteraves rouges. Pour ces derniers jours, je choisis vraiment les goûters qui ne vont pas trop traîner. Là, je vais faire le sauté de spaghetti. Hier soir, j'étais fatiguée. Je n'ai pas fait bouillir le spaghetti à l'avance. Sinon, si je l'avais fait, ce matin, j'aurais très vite évolué. Mais j'ai tout, tout qui est découpé, carottes, haricots verts, condiments. Ce que j'ai à découper maintenant, c'est juste tomates et oignons. Allons-y, motivons-nous. Les derniers jours d'école, youpi! Après, ce sera les congés. On va un peu se reposer. Même comme avec les enfants, on ne se repose pas vraiment. J'ai un peu ouvert la fenêtre pour que quand je découpe les oignons, là, l'odeur ne reste pas renfermée dans la maison. Ici, j'ai des carottes, haricots verts. Ça ne colle pas. Quand je veux faire, je prends juste comme ça. Ça se garde très bien au congélateur. Donc, ça ne fait pas les boules. Quand je vais cuisiner pour bébé, je viens juste prendre un peu. Là, je suis en train de chercher le mélange de condiments que j'ai besoin de couper. Même le mélange de condiments là, ça ne colle pas au congélateur. Vous voyez, ça se saccage très vite. Très vite, très vite. Je mesure seulement ce que je vais utiliser et je remets le reste. Maintenant, je vais prendre une ou deux tomates. Peut-être il faut que j'ajoute le... Comment on appelle ça? Persil ou céleri. Bon, en tout cas. On va ajouter ceci.
Maintenant, on va tout découper pendant que les pâtes sont au feu en train de bouillir. Je vais commencer par découper la courgette et laisser le reste au frigo. Ensuite, je vais découper la betterave. Je vais encore rincer ça. Je vous ai dit que pour le repas de bébé, je fais juste les petites portions pour ne pas jeter. Ça fait comme l'éponge. C'est tellement, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit resté au frigo, mais ça fait comme l'éponge. C'est la première fois que je lui fais ça. On espère qu'elle va apprécier. Moi, je préfère toujours bien laver mes légumes, fruits et légumes, avant de les éplucher. Quand tu laves avant d'éplucher, tu es frais. Tu es sûr que la saleté ne va pas se retrouver sur le fruit lui-même. Encore plus quand c'est pour les bébés comme ça. Bon, on a juste fait un tout petit. Et voilà tout ce qu'on a obtenu. Je vais poser ça au feu. Ça va bouillir et je vais écraser avec l'eau de cuisson. Comme je vais utiliser l'eau de cuisson pour écraser, je préfère ajouter un peu pour que ça cuise bien mais que ça ne sèche pas. Je n'ajoute pas une autre eau. L'eau de cuisson est la plus sûre en fait. Soit vous ajoutez son eau minérale. Le reste, si je garde ça au frigo et on continue avec les ingrédients du goûter pour l'école. Voyez comment ça se saccage vite. Les condiments découpés et gardés au frigo, ça se détruit très vite. Garder au congélateur plutôt. C'était garder au congélateur. Ça se détruit vite. Voilà. Et j'ai la quantité suffisante pour le sauté de spaghetti des enfants. Je remets rapidement ceci au congélateur. Ça ne doit pas trop se déchiffrer. J'ai la sardine. J'ai l'oignon que je vais nettoyer et laver. Et c'est tout. Ma fille aînée est en train de constituer leur petit déjeuner. Elle est en train de mélanger l'air matinal eau chaude dans la tasse. Ensuite, elle va aller réveiller sa soeur. Parce que il y a déjà de l'eau chaude dans le thermos. C'est plus rapide comme ça. Veillez à ce que le thermos soit toujours plein d'eau chaude. Surtout quand on a un petit bébé, ça va aider pour son repas. Blédine, phosphatine, c'est relax, ça dépend. Et ça aide aussi pour réchauffer son lait ou même pour réchauffer son repas qu'on a fait. Alors, est-ce qu'on peut papoter en découpant nos oignons? N'hésitez pas les copines à me dire en commentaire quand est-ce que vos enfants finissent avec l'école. Chez nous ici, ils vont fermer le 15. Le 15. Je ne sais pas si cette vidéo va paraître avant ou après, mais sachez qu'elle a été filmée avant que l'école ne finisse. Vu que nous sommes en train de faire le goûter pour l'école, on est souvent trop pressé que les congés arrivent. On est pressé à d'être en congé. En tout cas, quand on est maman, c'est maman pour toujours. Après les goûters pour l'école, donc après que on se lève tôt pour faire les goûters pour l'école, après il y a les congés, mais il y a aussi son lot de difficultés. Si pendant l'école, la difficulté, c'est se lever tôt,
faire leur goûter, les apprêter, courir par-ci, par-là. Pendant les congés, ce n'est pas de tout répit, en fait. Il y a toujours son lot de difficultés. Ce n'est pas qu'on se plaint, c'est juste qu'on parle des réalités. Parce qu'il y a des mamans qui se disent, ah, vraiment, je n'étais pas prête, c'est trop compliqué. Moi, je me dis que celle-là, c'est parce qu'on ne leur a pas dit clairement quelles sont les réalités. Pendant les vacances, ce sont les enfants qui se réveillent tôt. Elles viennent vous gâter le sommeil. Ce sont les enfants qui mangent tellement. Après, tu as même l'impression que tu travailles trop. Sauf que, il n'y a pas trop de pression. Il n'y a pas trop de pression. Si elles te réveillent, tu peux te lever, tu fais vite le petit déjeuner et tu repars te coucher. Quelques minutes, elles finissent de boire, elles reviennent te perturber, mais au moins tu peux rester couché. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me parler de vos expériences. Le plan de travail comme ça, quand je me lève le matin, je nettoie direct. Bicarbonate de soude, vinaigre blanc, direct, parce que vraiment, dans la nuit, on ne sait pas ce qui se passe avec les cafards. Les cafards qu'on a beau essayer d'exterminer, mais tu n'es pas là pour voir. Quand tu es à la cuisine, tu suis seulement les bruits de cafards quelque part. Tu ne sais pas si dans la nuit, les gars sortent faire leur fête ici. Là. Donc, dès que je me lève, la première chose, genre, c'est le réflexe. Première des choses, nettoyer mon plan de travail, passer un chiffon rapide sur la cuisinière, les couvercles de mamie qui sont restés fermés là. Je ne peux rien faire sans faire ça. Parce que quand j'imagine un peu la course qu'il y a pu avoir ici, je ne sais pas, mes gars, j'imagine seulement. Tu pulvérises avant d'aller te coucher. Tu pulvérises quand tu sors. Tu pulvérises la cuisine régulièrement. Je porte tout, je mets au salon. Je pulvérise chaque semaine. Mais ces choses-là, ça poursuit les odeurs de nourriture. Encore que dans nos quartiers, on ne vient pas pour exterminer comme à l'époque. Là. Quand j'étais au Mungo à l'époque, ces gens-là venaient, on appelait quoi? On les appelait, ou c'est hygiène publique, ou c'est hygiène quoi là. Ils venaient pulvériser, exterminer les trucs à la maison, ils vérifiaient même jusqu'aux latrines. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. J'ai jamais vu quelqu'un venir ici toquer pour me demander quel est l'état de mes toilettes, est-ce que c'est hygiénique, est-ce qu'on est sûr que les gens sont en santé. C'est comme s'il n'y a plus ça. N'hésitez pas à me dire pour celles qui sont au Cameroun si vous avez connu ça. Moi, j'ai connu ça à Mandou chez mes grands-parents. Il y avait des gens qui venaient vérifier. Regardons nos pattes là. Maman, vous êtes toutes des multifonctions. Vous êtes toutes des warriors. Vous êtes dotées d'une force divine dont peut-être vous-même vous n'avez pas idée. Vous êtes des multifonctions, vous pouvez tout faire à la fois. Certaines fréquentent, sont enceintes, ont un petit enfant, sont au travail. Au même moment, elles portent toutes les casquettes. Carrière professionnelle, école, maternité, foyer. Yes, we can. Maintenant que j'ai tout découpé, je vais mettre ceci dans les pâtes là pour que ça cuise avec. Parce que faire frit, ça sera dur. C'est comme si j'ai découpé ça trop gros. J'espère qu'elles avaient mangé. Parce que celles-là avec les haricots verts sont les problèmes. J'ai essayé de lui expliquer que c'est pour ta santé, c'est pour que tu sois forte et tout. Mais quand elle veut être riche, la seule chose dans laquelle elle mange le haricot vert, c'est dans le poulet DG. Dans les pâtes comme ça, elle est riche. Je leur ai dit que c'est pour votre santé, mais la grande, elle n'a pas de problème, elle mange tout. Parce qu'elle est déjà consciente que c'est pour leur santé. Que faire les pâtes juste comme ça, c'est pas complet. J'ai besoin de mettre plus de fruits et de légumes. On évolue direct. Après une chose, on fait l'autre pour pouvoir être à l'heure. On n'attend pas. C'est vrai que c'est pas bien de travailler debout comme ça, surtout pour une personne dans ma situation.
Ça fait déjà 7 mois, mais bon. Chacun doit écouter son corps. Quand je sens que c'est fort, quand je sens que ça tire déjà dans le bas-ventre là, rassurez-vous, je m'assois. Je m'assois et je me couche aussi parfois. On fait l'effort d'écouter son corps et quand ça ne va pas, on se soigne. Donc ne vous inquiétez pas trop. C'est vrai qu'on fait des erreurs. Rester debout longtemps comme ça en train de travailler. Dieu voulant, un jour, j'aurai une cuisine avec la possibilité de m'asseoir sur une chaise haute là pour pouvoir faire mes travaux. Travailler assise, je fais juste des efforts. C'est pas mon truc. J'ai l'impression que je suis plus lente assise. C'est vrai que c'est dans ma tête même. Non, jamais toute seule. Non, jamais toute seule. Seigneur, j'ai vu un cafard passer là. Il m'a direct interrompu. Je n'aime pas voir ça. Il s'est parti. Non, jamais toute seule. Non, jamais toute seule. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais toute seule. Si YouTube attrape la chanson, s'il a le droit de te lire. J'aime chanter, mais ma voix est comme la casserole. Au culte, je chante seulement dans ma gorge. Parce que si j'essaye d'ouvrir un peu, ma bouche là, elle commence à tousser. Genre, je manque de souffle. Je manque de souffle et ma voix est comme la casserole. Chante mal. Si c'était seulement la voix, la bonne chanson, comme pas au paradis, c'est que vraiment le Seigneur devait seulement réévaluer mon cas. Chante mal. Je pense que c'est mieux quand c'est découpé comme ça. Là, elles peuvent déjà piquer quelques-uns le matin avant d'aller à l'école. Et le reste, je mets dans leur sac. Ben, bon, tout est prêt. Je débarrasse un peu ici, vite fait. Je ne vais pas gérer Elsa. Je ne vais pas gérer son réveil. Elle a dépassé sa soeur parce qu'elle veut faire une crise. Elle veut me faire une crise ce matin. Elle aime déjà trop ça. Elle-même, elle est pressée que l'école fasse un peu une pause. Elle est pressée. Pas gérer son réveil dans la douceur. Cet enfant aime beaucoup d'attention. Un peu plus que ça. Les pattes là sont beaucoup, donc je vais diminuer un peu pour garder au frais. Et demain, je vais leur faire œuf spaghetti avec. Je vais diminuer. Vous avez vu, j'ai sorti les pâtes, nettoyer directement la marmite et poser au feu pour que ce soit rapide. En fait, tout vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Pendant que l'huile chauffe, je continue d'enlever un peu. Je n'enlève pas avec carotte, haricot. Ah, ça, entre les dents, je retire. Ceci est suffisant pour les omelettes. Dès que ça va refroidir, là, je vais poser au frais. Je vais mettre un peu d'eau pour bien cuire tout ça. C'est plus rapide que de rester là attendre que l'huile fasse cuire ça. Si c'est pour une grande personne, on peut laisser tous les condiments là cru. Mais pour les enfants, ils vont te trier tout ça un par un.
et je gagne un temps en mettant leur eau. C'est le travail de ma fille aînée. Parfois elle fait ça le soir, parfois elle fait le matin. Mais il y a des jours où, quand j'ai une seconde entre deux tâches, je le fais. Au départ, cette gourde-ci était pour la grande. Elle trouve qu'elle est petite pour elle, que l'eau finit vite. Donc elle préfère aller soit avec les 1 litre, soit avec 1 litre et demi. Aujourd'hui, c'est même le jour du sport. Je crois que je vais lui mettre l'eau dans 1 litre et demi. Elle boit beaucoup d'eau. Je vais lui mettre l'eau ici. Il faut boire de l'eau, Elsa. Je ne mets pas ton eau trop remplie. Elle reste déjà écrit que maman ne met pas mon eau trop remplie. Elle ne boit qu'autant que sa soeur. Elle rentre toujours avec son eau. Et comme sa soeur ne part plus avec sa gourde ici, elle a dit qu'elle veut ça. Voilà, ça part là-bas. Elle a même un peu cassé, mais ça marche toujours. Ça prend toujours de l'eau, ça ne coule pas. Elle a juste dit qu'elle veut ceci. Comme Dana ne part plus avec sa gourde, elle veut la gourde de Dana. Donc, au moins là, j'ai quelque chose de fait. On évolue. Faut que ça cuise bien. Pendant que ça cuit, je vais sortir l'anthu de bébé. Moi, je pense que c'est prêt. Et si les choses aussi ont besoin de cuire pendant trop longtemps? C'est la première fois que je fais les courgettes. Ça va faire plus de 15 minutes, non? Je pense que c'est prêt. On va retirer. Le reste de sardines, je vais mettre dans ce bol et garder. Je vais aussi garder le reste de pâte. Ouais, c'est refroidi, on peut garder. On laisse refroidir. J'ai un peu nettoyé avec de l'eau chaude parce que on ne sait jamais. Puisque l'assiette dans laquelle je mets le repas de bébé est une assiette en plastique, je vais laisser encore refroidir un peu. Il y a encore un peu de vapeur qui sort de là. C'est top, hein? C'est beau. Le rouge sur la plaie. Pendant ce temps, je sers vite les filles.
Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais la terminer ici, je vais la clôturer ici. J'espère vraiment que je vous ai motivé. J'espère que vous avez reçu quelque chose de bien édifiant dans cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'arrive à faire des vlogs. C'est grâce à vous que j'arrive à me placer derrière ma caméra et parler. C'est grâce à vos motivations, vos commentaires et vos encouragements. N'hésitez donc pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Rassurez-vous que votre cloche de notification est activée. Rassurez-vous pour ne rien manquer de quand je publie une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!